Sais-tu pourquoi les anémones sont rouges? Je sens que ça va me plaire. Lorsque le sanglier blessa mortellement Adonis, Aphrodite pleura sur son cadavre, dans une prairie remplie de fleurs. Ses larmes se mêlèrent au sang d'Adonis et colorèrent les fleurs en rouge.
J'entends encore les cris des mortels fuyant le sanglier de Calydon, qui saccageait les champs de leur région. Tout ça parce que le roi aîné avait oublié de faire une offrande à Artémis. Tu sais pourquoi les violettes sont violettes? Parce qu'elles retiennent leur respiration en attendant que tu termines tes histoires. Adonis n'aurait pas dû passer autant de temps en compagnie d'Aphrodite. Beaucoup de ses amants furent jaloux. En tout cas, elle n'est pas tombée amoureuse de son cerveau. Il ne put triompher du sanglier envoyé par Arès. Mais lorsqu'Aphrodite, éplorée, versa du nectar sur les blessures d'Adonis, il y poussa la splendide anémone, qui devint le symbole d'une nouvelle vie. Les plus redoutables que dut affronter Psyché fut de recueillir la toison d'un mouton doré, tout en évitant ses cornes. Eh ben, c'est ça d'être une victime de la mode.
deviendra tellement